Bon, et là, ce matin, m'a piqué mon petit cahier que j'ai reçu hier pour faire des mandalas. Et en fait, c'est elle qui les fait. Montre celui que t'as fait juste avant. Regardez. Ça applique bien. Hein. Le coloriage, je dépasse pas trop, franchement. C'est bien, mon amour. Là, tu t'appliques super bien. Pourtant, elle tient pas bien le crayon, mais elle y arrive quand même très bien. Ça, elle le fera, elle corrigera ça l'année prochaine avec la maîtresse. Non, je vais pas dire ça. Là. Non, mais de tenir bien le crayon, tu vas apprendre ça en moyenne section quand tu apprendras à écrire, chérie. Même si tu sais déjà faire les lettres, mais tu apprendras à les faire correctement avec tenant bien ton crayon. C'est très bien, mon bébé. Bon, on se retrouve en fin de matinée. Je suis prête, habillée. Je vais aller manger, enfin on va aller manger là et moi avec Sabine et Mona, ou on va manger d'habitude avec Nico le dimanche parce que Nico il bosse encore aujourd'hui donc il est pas dispo. Il me manque. Et on regarde avec Ella comme très souvent le dimanche. Toi aussi te manque ton papounet. Très souvent le dimanche matin on regarde des vlogs de nos anciens voyages parce que là elle adore ça. Et là c'est le Texas. On est à Dallas actuellement. Là. Et là elle aime beaucoup voir les vidéos de quand elle était bébé en fait. Elle était trop chou, elle avait l'âge. Plus petite, mais elle avait 15 mois. Et là, elle a voulu que je fasse un chignon parce que c'est la coiffure qu'elle préfère que je lui fasse. Et moi, je trouve que c'est la coiffure qui lui va le mieux. J'adore quand elle a un chignon. Donc, j'ai fait un chignon comme hier. Je pense que ça lui plaît parce qu'elle a les cheveux dégagés du visage et ça la gêne pas, quoi. Non, c'est parce que j'ai pas envie que ça trempe dans mon. Oui, tu veux pas que ça trempe dans ta nourriture? Ça trempe dans mon t-shirt. Ah, tu veux pas que ça trempe dans ton t-shirt? Voilà. Mon babo il rigolait, il a dit quand il mangeait une pizza, il a dit oh, j'ai les cheveux qui trempent dans mon assiette. Il rigole ton babo. Mmh. Allez, on va ranger tous tes crayons. Alors, j'ai piqué l'idée à Marilyn. J'ai vu sur Insta qu'elle avait fait ça et je trouve que c'est une super idée parce que clairement on est très bordélique, hein, que ce soit Nico, moi ou Ella, hein, voilà, il n'y a pas de secret. La petite table du salon c'est toujours un gros chantier parce que Ella fait ses dessins dessus, elle renverse tous ses pots à crayons, enfin il y en a partout. C'est une enfant, elle vit, il n'y a pas de souci. J'aime bien qu'elle dessine dans le salon avec nous. Et c'est vrai qu'en ce moment elle passe peu de temps dans sa chambre parce qu'elle passe tout son temps libre à dessiner. Et à faire des activités manuelles sur la petite table. Et donc du coup, et moi cette table là-bas est toujours, c'est toujours le gros bordel aussi parce que bah, je reçois plein de trucs tous les jours, je bosse dessus, on met le bazar. Tu vas te faire mal. Et donc du coup, on a trouvé une solution. Je vais vous montrer ça. Alors pour la table du salon, vous voyez ce que ça donne quand elle joue. Voilà. Après chaque fois on ramasse tout, hein, évidemment. Donc j'ai sorti cette boîte. Dans laquelle à chaque fois on rangera tout et on rangera ça dans le meuble ici. Comme ça, il n'y aura plus tout ce chantier sur ma table. Et pour ma table de salon, j'ai fait pareil. Et le soir, je rangerai mon ordinateur et tout dedans aussi, et le chargeur et tout, parce que c'est ça qui met tout le bazar. Là, c'est les papiers qu'on doit classer aujourd'hui. J'ai mis toutes mes affaires, nos agendas, le réflexe, tout ce qui traîne tout le temps sur la table et dont on a besoin à avoir sous la main. Et deux trucs à Ella aussi, parce qu'elle joue beaucoup avec ces derniers jours, dans la boîte aussi ici. C'est ton truc de perle et ton truc de quoi de petit strass. C'est quoi mon truc de perle? C'est ton truc de perle pour faire les prénoms. Ça c'est les jouets lesquels t'as joué ces derniers jours et qui traînaient dans le salon tout le temps. Donc je les mets là, comme ça ils sont faciles d'accès aussi. Et voilà, mais comme ça au moins c'est pas en plein milieu. Bon. Les babies, petit gang de veste en jean, on est tout en veste en jean, on va manger. Même tata Sabine. Et ouais, même tata. On va manger. Oui. Bon, du coup j'ai retrouvé Sabine et les enfants. Salut. Vu. On va manger au bowling pour changer. On va bowlinger. Bowling, bowling. Elle met trop des vents, donne-moi la main. Disons, tu as fait des beaux dessins. Et oui. Encore? Non. T'es la petite souris. Toi dedans. Oui. J'ai mangé ton visage. On est de retour à la maison. On a passé l'après-midi chez Sabine. Il est déjà 17h30. Il est cassé maintenant. Non, c'est pas celui-là qui ferme les yeux, chérie. T'en as plusieurs des bébés.
Et là, elle joue avec sa petite poussette et ses bébés, là. Comme une petite mamounette. Hein? Aussi une mamounette. T'es une mamounette, toi? Un bébé. Elle a été adorable au resto, elle a été adorable au... chez Sabine, Mona a fait la sieste et tout, et là elle est restée avec nous dans le salon. Elle a joué tranquillement, on l'a pas entendue pendant des heures et des heures. Mon amour, cet enfant. Mona, elle était pas sage. Oh oui, mais c'est normal, elle a pas le même âge que toi, Mona. Et puis Mona, elle était fatiguée. Hein? Attention, sinon je hurle. Attention, sinon. Chaque petite tête, elle a déjà. Cet enfant. Attention, ouais, elle a pris goûter là-bas et tout. Attention, Mona, sinon j'ai eu. Attention. Et maintenant, je vais finir de ranger le salon avant que Nico arrive. Maman. Comme attention, ça. Sinon, je te hurle. Ah non. Hein. J'ai hurle deux et toi. Nico va rentrer de sa journée de boulot. Et il va être fatigué, donc du coup je vais venir ranger la maison, vider la vaisselle, le remplir sur un truc comme ça parce qu'il soit content en rentrant, qu'il se pose un peu. Attention chérie. Voilà, cette petite fin de week-end tranquille. Il faut voir si mon vlog s'est bien exporté, mais à mon avis il va être en retard aujourd'hui parce que je l'ai monté en fin de matinée. Et ça m'est toujours trois plombes à exporter. Quoi? Mais non, c'est quatre chacun. On mélange, on triche pas. 1, 2, 3. De gagner. T'as combien de points? Wow, mais t'as toujours trop de points, toi, c'est pas possible. Ouh, ça va être serré là. Eh ben, tu peux me compter, ma lame. Alors, tu comptes. Vas-y, je t'aide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. 1, 10, 2, non, 10. 10, 11, 12, 15, 16. 17. 17, et là 18. 18. 19. 20. 20, 21. Voilà, toi, t'as 21 points. Papa, j'en ai 21 points. Et moi, combien j'ai de points, moi? Je vais te les compter. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14, 15, 16, 17. C'est qui a gagné? Toi. Mais non, 21 et 17. Moi. Ouais, c'est toi. J'ai gagné un cœur. Allez. Bon alors, menu de ce soir. Truite saumonée, purée de patates, purée de patates douces et courgettes. Je mets là. À l'huile de sésame. À l'huile de sésame. On va goûter ça. Bon, il est déjà tard, il est 22h. Le vlog est sorti hyper tard ce soir, je suis désolée. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je l'ai monté en fin de matinée. Vu qu'il faut genre 10h pour l'exporter. Voilà, il est sorti à 21h. Pff, relou, mais bon. C'est la vie, on est habitué. J'ai rangé toute la maison, j'ai fait le sol, enfin voilà, les trucs du dimanche quoi. Je pense qu'on est très nombreuses dans ce cas-là. Je fais le ménage, et oui, je fais aussi le ménage. On ne dirait pas, hein, je sais, c'est pas ma grande spécialité. Mais voilà, je fais le ménage, ça m'arrive. Et je suis contente, depuis que j'ai réorganisé la salle de bain, ça fait qu'une semaine. Mais je suis trop fière de nous, parce qu'il n'y a rien qui traîne dans la salle de bain. Bon, à part là-dessus. J'avoue que là, c'est... En fait, vu qu'on a 4 peignoirs, il va vraiment falloir que j'en élimine, quoi. Je ne me suis pas débarrassée des peignoirs encore, mais... Vu qu'on en a reçu de nouveau, là, enfin, on a eu de nouveau dernièrement, c'est plus possible. Mais la salle de bain, tout est à sa place, il n'y a rien qui traîne sur l'évier et tout. Et pour des gens bordéliques comme nous, franchement, je suis fière. Donc là, j'ai mis en place ce truc dans le salon où la petite table et la grande table, il y a deux paniers qui sont rangés maintenant. Et bon, ce soir, j'ai tout rangé et tout. Normal, c'est le premier soir. Mais on va s'y tenir aussi pour éviter que ce soit trop le bordel. Étape par étape, il va falloir faire ce genre de choses pour pouvoir être dans un environnement pas bordélique, quoi. Parce que quand tu travailles à la maison, tu mets 10 fois plus le bordel que quand tu travailles pas chez toi.
Parce que quand tu travailles pas chez toi, tu ranges vite fait le matin, tu pars, tu rentres, c'est rangé. Quand t'es toute la journée à la maison, tu manges, t'as toujours un truc urgent, un appel, un truc, tu poses et tu... Enfin, voilà. Puis tu reçois des colis, enfin nous on reçoit des colis. Et quand j'étais seule à la maison à bosser, ça allait, mais depuis qu'on est deux, c'était plus jouable du tout. On est des petits poussés, on sème toutes nos affaires partout, enfin c'est pas possible. Donc là on essaie de travailler là-dessus. Sinon, je sais plus ce que je voulais dire. On a passé un petit week-end, j'ai essayé de déconnecter un peu. J'ai fait quelques stories, mais vite fait ce week-end. Genre j'ai posté qu'une fois sur Insta, enfin j'ai essayé un peu de déconnecter et de passer du temps de qualité avec ma fille. J'essaie vraiment, comme je vous le disais, j'ai mis en place plein de trucs par rapport à mon téléphone, de déconnecter tout ça. D'ailleurs j'ai fait un article sur le lâcher prise en général qui est sorti mercredi sur Free Minds, qui est vous avez bien dans la barre d'infos. On vous témoigne toutes les trois un peu ce qu'on a fait dernièrement pour lâcher prise sur plein de trucs. Ça en fait partie. Déconnecter, lâcher prise sur le boulot le week-end, c'est vrai, c'était vraiment important pour moi. Mais il y a plein de trucs comme ça que j'essaie d'être beaucoup plus zen sur plein de trucs. Et si vous êtes quelqu'un de anxieux, stressé, vous avez l'impression d'être dépassé par les événements tout le temps, allez lire cet article. Voilà, je pense que ça peut être utile. Il y a plusieurs filles qui m'ont dit que c'était utile et que ça les faisait réfléchir et tout, donc c'est cool. Et Coralie vous a sorti un article sur Vienne aujourd'hui, parce que comme vous le savez, ma meilleure amie Coralie est en train de faire le tour de l'Europe actuellement. Du coup, elle poste un peu des articles très rapidement sur les endroits où ils étaient récemment. Vienne, du coup, m'a trop donné envie d'y aller, hein, clairement, avec son article. C'est pas une destination qui est très connue et ça a l'air canon. Apparemment, elle a adoré, donc je retiens ça pour un petit escapade en amoureux, ou même avec Ella, pour être un peu plus grande, parce que c'est un peu une ville où il y a plein de musées qui, culturellement, est plutôt riche, on va dire. Ça y est, je me rappelle ce que je voulais vous dire. J'ai décidé, vu que je fais un peu un blocage, j'en discutais avec Hélène de la chaîne Hélène la Vilaine, je fais un peu un blocage là depuis quelques mois sur mon poids qui ne bouge pas, parce que concrètement depuis le mois de janvier je n'ai pas perdu 100 grammes, voilà, même pas, voilà, j'ai rien perdu. Je prends, je perds, je prends. Alors j'ai pris du muscle, j'ai perdu en centimètres et tout, mais le poids sur la balance ne bouge pas. Et je pense que je fais un blocage psychologique là-dessus, c'est pour ça que ça bouge pas. J'ai rangé la balance, je l'ai virée. Je suis quelqu'un qui me pèse tous les matins depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Je suis quelqu'un qui me pèse tous les matins. Pourquoi? Je pense parce que ma mère le faisait et le fait. Et du coup, pour moi, c'était normal de le faire. Et vu que je le fais, Nico le fait aussi. Mais il le faisait pas avant, avant de me connaître, il le faisait pas, et depuis qu'il est avec moi, il le fait aussi. J'ai dit stop, il y a un gros souci. J'ai rangé la balance et je la sortirai uniquement le vendredi. Je me pèserai une fois par semaine, ça suffit amplement. Et ça m'évitera peut-être de me stresser, et je me dis peut-être ça débloquera quelque chose en moi qui fait que voilà, ce poids peut-être disparaîtra un jour ou pas. Mais bon, au bout d'un moment, il faut quand même lâcher l'affaire. Je continue à faire mes séances de sport. Je continue à essayer de manger correctement et de ne pas faire des écarts. Et puis voilà. J'ai aussi arrêté la pilule. Alors non, je ne veux pas d'enfant. Vous le savez. J'ai déjà ma fille, je ne veux pas de deuxième enfant. Je veux mettre un stérilet. J'ai vu la gynéco il y a un mois et en fait j'étais en réflexion par rapport à ça. Je vous explique un peu. Je suis quelqu'un, je vous l'ai déjà expliqué, qui est pas mal d'acné quand j'étais ado, j'ai fait roaccutane, l'acné est parti et tout, mais ça m'a laissé un gros traumatisme, l'acné. J'ai une peau qui est quand même assez grasse, donc je ne peux pas mettre n'importe quel fond de teint, n'importe quelle crème. J'ai tendance à faire des boutons très rapidement si j'en mets, alors que sinon j'en ai pas, hein. J'ai une peau qui est quand même bien, j'ai quelques cicatrices, mais j'ai une peau qui est tout à fait normale maintenant. Mais j'ai toujours pris une pilule en fait qui est adaptée à ça. Donc j'ai toujours pris une pilule qui était Jasmine, qui m'a été prescrite par mon gynéco il y a 100 ans et que je tolère très bien, et que j'ai toujours pris avant ma grossesse et après ma grossesse, parce que c'est une pilule qui n'est pas forcément bonne, parce qu'elle fait partie des pilules un peu à risque, on va dire.
qui pallient à ce symptôme d'acné et qui fonctionnent très bien sur moi. Enfin, je l'ai arrêté quand j'ai voulu avoir Ella. J'ai pas eu d'acné. Même pendant la grossesse, j'ai pas le souvenir d'avoir eu. Je crois que j'en ai eu peut-être un mois, un petit peu, mais genre, rien de traumatisant. Et en fait, quand j'ai vu cette gynéco, qui est une nouvelle gynéco, qui est très bien, c'est une jeune, elle m'a dit de suite, mais prof, vous mettez pas un stérilet et tout, la pilule, c'est pas génial. Je lui ai dit parce que j'ai peur d'avoir de l'acné à nouveau, d'avoir des boutons, de pas que ça réagisse. Elle me dit, il y a un risque, effectivement, c'est possible. Elle me dit, vous pouvez continuer de prendre la pilule, il n'y a aucun souci, vous fumez pas, vous n'avez pas de cholestérol, vous l'avez toujours très bien toléré, vous êtes pas vous faites pas partie des gens à risque, donc vous pouvez facilement la prendre jusqu'à 40 ans, par contre après 40 ans c'est quand même peu conseillé de continuer la pilule, vaut mieux passer à un autre système de contraception. Je suis ok, bon voilà, je peux continuer à la prendre. Le gros souci c'est que depuis 2-3 mois, on dirait que ma tête ne veut plus prendre la pilule, c'est-à-dire que je l'oublie en permanence et ça craint à mort parce que j'ai pas du tout envie d'avoir un deuxième enfant pour l'instant, c'est pas dans nos plans, ce sera peut-être jamais dans nos plans et j'ai pas envie de tomber enceinte parce que clairement je suis pas... je pense pas avoir la force d'avorter si un jour je tombe enceinte et ce serait très très handicapant pour moi parce que je veux pas de deuxième enfant pour l'instant donc ce serait vraiment un gros problème. Donc je fais que l'oublier et quand tu oublies ta pilule que tu prends, c'est une pilule que je prends sur 21 jours, que j'arrête 7 jours, que je reprends, qui déclenche les règles en fait, je sais pas si... Il y a deux styles de pilules, celle que vous prenez sur 28 jours et celle que vous prenez sur 21 jours. Et du coup à chaque fois que je l'oublie 2 jours d'affilée et ça me déclenche mes règles. Et du coup ça fait 2-3 mois que j'ai deux fois mes règles dans le mois parce que j'oublie ma pilule. Et ça, ça craint parce que je risque de tomber enceinte et ça craint parce que c'est pas bon pour moi, surtout qui est carencé en fer, enfin qui est en... oui, qui est carencé en fer. Vu que j'ai une carence en fer, d'avoir deux fois mes règles dans le mois, deux, trois fois d'affilée, ça craint à mort. Donc j'ai décidé de mettre un stérilet. Voilà, je vous dis tout hein, parce qu'on parle aussi contraception, hein, on est entre filles. Il y a peu de mecs qui me suivent et pour les mecs qui me suivent c'est bien, c'est toujours bien de savoir comment ça fonctionne chez vos femmes hein, ou chez vos futures femmes ou chez les femmes en général si vous n'aimez pas les femmes, bref, la fille qui part en live. Du coup je pense que c'est... Donc voilà, je veux mettre un stérilet, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour moi. Et la gynéco m'a dit, écoutez, si vous, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, si vous n'êtes pas sûr, c'est d'arrêter la pilule pendant 2-3 mois et de voir comment votre peau réagit. Et si c'est bon, on met le stérilet. Donc au début, j'ai dit, bon, je vais réfléchir parce que voilà, c'est relou. Mais du coup, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai arrêté là, ça fait 15 jours. Ouais, ça doit faire 15 jours, je l'ai arrêté. Et pour l'instant ma peau tout va bien. J'ai pas de... Mais bon, la peau mais quand même déjà va se renouveler, je crois que c'est un mois. Enfin voilà, il faut du temps. C'est pour ça qu'elle m'a dit d'attendre 3 mois pour que les cycles reviennent naturellement et voir comment niveau hormonal ça se passe quoi. Donc voilà mon petit truc du moment. C'est chiant, mais au moins, si je mets un stérilet, je serai tranquille. J'aurai plus ce truc à me dire tous les jours, prends la pilule. Parce qu'il faut se l'avouer, franchement, les filles, c'est vraiment relou la pilule. Et c'est pas bon pour notre santé. Donc, tant qu'à faire, si on peut mettre un stérilet, on met un stérilet. Et maintenant, ils mettent même des stérilets à des filles qui n'ont jamais eu d'enfants. Parce que moi, j'ai des amis qui n'ont jamais eu d'enfants. Les gynécos les mettent. Hein. C'est fini cette histoire de genre, je te mets un stérilet, tu le gardes pendant 3 ans. Non. La gynéco, j'ai des copines aussi qui veulent un deuxième, mais après le premier, la gynéco leur a mis un stérilet en disant bah, le jour où vous voudrez un deuxième, ce sera très bien, vous aurez juste enlevé le stérilet et ça ira sûrement beaucoup plus vite parce que vous n'aurez pas ces hormones dans votre corps. Donc voilà, je vais mettre un stérilet. J'ai peur parce qu'il paraît que ça fait mal. Alors j'ai des copines qui ont souffert à mort et d'autres qui n'ont rien senti, mais moi. Je kiffe pas trop ce genre de truc, donc faudra que je prenne sur moi, c'est pas grave. Voilà. Dites-moi si vous avez un stérilet, partagez-moi en commentaire, rassurez-moi, dites-moi que ça vous a pas fait mal, s'il vous plaît. Dites-moi la vérité, que je sois prête psychologiquement. Voilà.
Je vais me poser, mon petit rituel du dimanche, regarder des vidéos de copines, de trucs, voilà. Mais je vais pas traîner sur les réseaux sociaux, je vais juste regarder des trucs qui me plaisent et me coucher et dormir. Et voilà. Et on reprendra le boulot et le monde de le monde virtuel demain. Je suis KO. Bref, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.